Dans ce nouveau vidéogramme, nous retrouvons les divagations de notre grand père motocycliste sur les routes tortueuses de Saône-et-Loire. Bon épisode! Nous voici dans un troisième motovlog pour la Saône-et-Loire. Nous avons changé le casque, qui j'espère sera moins bruyant. Voilà, et nous dirigeons vers Nanton. Alors, comme vous voyez peut-être à l'écran, je teste aussi un support de téléphone Shepard. Alors, il devrait tenir puisque normalement il est donné pour 225 km/h. Lol. Et si j'arrive à atteindre les 90, je serai content. Alors, par contre, j'ai un problème de support de caméra. Je l'ai cassé en mettant la caméra dedans. J'espère qu'il va tenir. Wow. Je suis passé là hier. Je me souvenais pas que le virage était si prononcé. Moi j'entends beaucoup moins de bruit que dans mon ancien casque. On verra ce que ça donnera. Au dépouillement. Voilà. Joli petit village. Il y a de la belle pierre. Nanton, à gauche. Il y a des cailloux sur le chemin, de la route. Je crois que j'ai pas attaché mon casque. C'est ça que je viens d'entendre taper. Tu nous les feras toutes. Alors, dès qu'on peut, on s'arrête. Je pense qu'on s'arrêtera à Nanton, puisqu'on est bientôt. Nos lunettes! Et qui font lever! Ça, c'est beau, ça! Les meublettes que j'avais quand j'étais jeune, j'avais une 103. Et pas la SP, la SL, celle qui n'avait pas le variateur. Ah, t'es moins nerveuse au démarrage, parce qu'en plus le plateau était plus grand, donc les SP me bouffaient au démarrage. Par contre, une fois lancé, je les rattrapais. Et nous voici donc à Nanton. Alors, d'où c'est que je peux m'arrêter? Là, c'est chez les gens. Pas trop gêné.
Voilà. Le casque est attaché. Ça ira beaucoup mieux. Joli petit village de Nanton que nous allons quitter pour nous diriger sur Étrigny. Nous allons traverser le petit village de Sully. Talent qui n'a rien à voir avec le même village du côté de Dijon. Je pense que ça s'écrit pareil d'ailleurs. Faudrait que je vérifiasse. Et nous dirigeons vers Étrigny. De la pierre, pierre rose de Bourgogne. Si je dis pas de bêtises, celle-ci viendrait des carrières de Préti. Si je dis pas de bêtises, parce que j'en dis beaucoup. Voyez pas tout, qu'est-ce que je dis. Nous arrivâmes à Étrigny, que nous allons simplement traverser. Voilà. Son église. Il y a quoi que ça, hein. Voilà, ça monte, ça descend. Prenons la direction de Balleur. Venez. Ça va, il avait l'air cool, il n'avait pas l'air plus impressionné que ça. Mais quand on voit des chevaux ou des bestioles, des animaux, eh ben il faut ralentir. Pour ne pas les effrayer, pour qu'ils fassent un écart. De Balleur encore avec des belles pierres. Vous devrez apercevoir bientôt le château.
Alors, je suis passé là hier. C'est un château privé, ça ne se visite pas apparemment. Voilà, regardez si c'est beau. Puis surtout, ce que je voudrais retourner voir, ces deux petits lavoirs qui sont mignons comme tout. Alors, en voilà déjà un, s'y arrêtera. Enfin, ah oui, c'est joli parce qu'il y a le petit puits et le lavoir. L'autre est plus intéressant parce qu'il est fleuri. Voilà, je vais aller faire un petit demi-tour. Vous voyez comme c'est beau. Et je vais faire un petit film. Voilà donc le joli petit lavoir. Même l'eau qui coule. Et comme c'est joliment fleuri. J'essaie de le reprendre de l'autre côté parce que là je suis à contre-jour. Voilà, avec des jolies hortensias. Ils ont de la chance, eux, ils sont toujours fleuris. Parce que là, dans le coin, ils sont plutôt fanés. Voilà. Est-ce que l'eau est froide? Ça va. Joli petit bâtiment. Par où. Et là on va je ne sais plus où, mais on y va. Voilà, propriété privée, château de valeur, Collonges pension, c'est là que j'étais monté hier. Là ça grimpe. Encore à nouveau le château, mais là vous le verrez pas, c'est sur ma gauche. Comme la caméra est sur ma poitrine, même si je tourne la tête, il ne se passe à rien. Mais rien, rien, rien. Allez mamie, monte. Allez, 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 allez. Eh bien. De la vigne, puisque la Saône-et-Loire, la Bourgogne sont un terroir de vignes, de vignobles. Et c'est tant mieux, puisque j'ai bien ça. Avec Maude Hération, mais je la connais pas, cette fille. Je ne sais pas qui c'est. Là, on va croiser la route de Tournu, mais on va aller en direction de la chapelle de Brancion. Pas trop bien ça, Didouchon, on était en pleine gauche là. Le chemin du chemin d'hier. Hier, je ne suis pas descendu dans le village. Et là, on va y aller. C'est pas là. C'est pas maintenant. Tu dis n'importe quoi. Toujours. C'est ça qui est.
ça qui est intéressant en Bourgogne, c'est qu'on a du relief. C'est pas tout plat, c'est pas le plat pays. Hein. Et on a des virages. Alors, c'est là, je crois, hier, j'ai pas tourné et que nous allâmes tourner. De la chapelle de l'Intention. Ah, je parle tout le temps d'église, hein. Enfin bon, c'est vrai que dans le paysage, c'est ce qu'on remarque le plus. Et je vous ai montré un château aussi. Ah, ça remonte. Ah oui. Par contre, je sais plus par où qu'il faut que je vais. Je me suis perdu. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Bon, si. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va redescendre par là. Oui, d'accord. T'as fait n'importe quoi. Mais je pense que pour descendre par là. C'était un petit intermède. Chapelle de Grancion. Les gars, là. Et nous voilà au sommet du col. Bonjour. On aperçoit peut-être sur votre droite, vous avez, je ne sais pas si on a eu le temps de voir, le château de Grancion. Oh, même moi j'ai pas freiné. Eh bien on n'est pas arrivé, hein. On n'est pas au bocal de sangria. Alors c'est ça le problème de la 125, c'est que tu peux rouler suffisamment vite. Mais t'as pas de puissance pour pouvoir vraiment doubler. Ah, je fais les petits châteaux, on va aller doucement, on le doublera pas là. Si allez, on dit qu'on le double là, allez. Ah oui, ben il manque des chevaux. Hein. Chapez, que des conneries qui dit.